L'énergie est une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Continuons de l'écrire avec moins de CO2. Areva. Bien, bonjour, bonsoir à tous. L'essentiel de mon exposé aujourd'hui, ça sera finalement une histoire un peu différente, une histoire critique de ce qui vient de vous être présenté à travers cette publicité pour Areva. Vous avez vu en quelques minutes une grande fresque de l'histoire de l'énergie, une fresque qui a comme particularité d'être fondée sur la notion de transition, avec cette idée qu'on passe à travers l'histoire de sociétés qui sont fondées sur des sources énergétiques différentes. Dans l'Antiquité, on a les voiliers sur le Nil. Ensuite, on a au Moyen-Âge l'énergie hydraulique. Ensuite, le charbon de la révolution industrielle anglaise. Le pétrole du XXe siècle américain. Et puis, ce vers quoi il faudrait arriver, une énergie décarbonée. Un mix d'éolien, de nucléaire et de solaire. Ce récit de la transition, il se fonde sur une histoire. Et je dirais que cette histoire, elle fonde aussi le projet de la transition. Cette idée de transition énergétique, elle a toujours été inscrite dans un certain type d'histoire de l'énergie. Derrière l'idée de transition énergétique, il y a l'idée que par le passé, on a fait des transitions énergétiques. On est passé du bois au charbon, puis du charbon au pétrole. Et maintenant, il faudrait faire advenir une nouvelle transition énergétique, sortir des fossiles pour faire face au changement climatique. Le problème, c'est que cette histoire, cette façon de penser l'histoire de l'énergie ne fonctionne pas du tout. Le problème de la transition, c'est qu'elle projette une histoire qui n'existe pas sur un futur qui demeure assez fantomatique. Alors, cette histoire, ce n'est pas simplement, évidemment, l'histoire commune, celle qu'on vient de voir avec la publicité d'Areva. Ce grand récit transitionniste, phasiste de l'histoire de l'énergie, on le retrouve dans une bonne partie de l'historiographie, de livres récents qui sont sortis sur l'histoire de l'énergie. Je ne vais pas rentrer dans des débats historiographiques, mais si vous voulez, les livres qui font référence en histoire de l'énergie sont centré sur un récit de la transition, un récit de basculement de systèmes énergétiques dans d'autres systèmes énergétiques. Alors, première remarque, c'est que ce récit-là, il est déjà contradictoire avec ce que l'analyse quantitative de l'économie mondiale au XXe siècle montre. Si vous prenez simplement le graphique en haut à gauche, vous avez la représentation de toute la consommation de matière de l'humanité pendant un siècle. En vert, la biomasse. En gris, c'est tout ce qui est béton, ciment, les agrégats, le gravier, toutes les infrastructures en béton qu'on connaît. En orange, les énergies fossiles. Et en bleu, les minéraux, les métaux. Ce qui est frappant, évidemment, c'est que toutes ces matières, toute cette consommation matérielle ne fait absolument que croître. La consommation de biomasse, par exemple, elle n'a fait que croître, évidemment, au XXe siècle. La consommation de charbon, elle n'a fait absolument que croître au XXe siècle. On n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant. Le grand siècle du charbon, ce n'est pas du tout le XIXe siècle, c'est évidemment le XXe siècle. Et il faut espérer que ce ne soit pas celui du le XXIe siècle. L'autre chose qui est assez frappante et un peu déprimante, c'est que vous prenez les pires événements du XXe siècle, vous prenez la Première Guerre mondiale et suivi la grippe espagnole, ça produit une toute petite encoche dans cette courbe. Ça influence à peine la consommation mondiale de matière. Il y a évidemment la Seconde Guerre mondiale qui se distingue un tout petit peu, la crise de 1929. Il y a un petit point de ralentissement dans la croissance avec la crise des années 70, le choc pétrolier, le renchérissement des énergies fossiles. Mais globalement, la courbe ne fait que croître avec des pentes de plus en plus fortes. On parle souvent de la fameuse grande accélération des années 1950, un moment de très forte croissance économique, en particulier dans les pays riches. Mais on a une nouvelle grande accélération depuis les années 2000,
tirée en particulier par la croissance économique de la Chine et de l'Asie en général. Donc le point le plus important, je dirais, c'est que Anne vient de parler d'anthropocène. Si vous voulez, l'anthropocène, c'est une sorte d'accumulocène. On accumule de la consommation matérielle, on ne passe pas d'une matière première à une autre. Une autre manière de dire la chose, de la même façon, c'est finalement de se dire que les matières premières, pour l'instant, historiquement, n'ont jamais été obsolètes. Aucune matière première n'est devenue obsolète, et certainement pas des matières énergétiques. Vous prenez les 50 premières matières premières consommées dans le monde, entre 1950 et 2010, il n'y en a que 5 qui diminuent. Et quand elles diminuent en consommation, c'est évidemment pas zéro, hein, c'est une diminution relative de leur consommation. Quand elles diminuent, c'est principalement parce qu'il y a des interdictions. Par exemple, l'amiante, la consommation d'amiante à l'échelle mondiale a diminué depuis les années 90 grâce à des politiques d'interdiction. La seule matière première qui voit sa consommation reculer du fait de la concurrence d'une autre matière première, c'est la laine de mouton qui est concurrencée par les fibres synthétiques. Mais ce n'est pas évidemment une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc je dirais que l'histoire qui m'intéresse, l'histoire que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment l'histoire d'un accumulocène, d'une accumulation de consommation matérielle et énergétique. Alors, le premier point, donc, c'est que les énergies, contrairement au récit classique de la transition, les énergies s'additionnent. Elles ne se remplacent pas les unes les autres. C'est un point absolument évident. Si vous voulez, les énergies que les historiens parfois décrivent comme traditionnelles, que ce soit l'hydraulique, l'éolien, mais aussi la force musculaire, ces énergies-là, au cours du 19e siècle, au cours de la révolution industrielle, en fait, elles ne diminuent pas. Elles diminuent relativement à la croissance importante du charbon. Mais en valeur absolue, ces énergies, elles continuent de croître. Si vous prenez l'hydraulique, en France, au cours du 19e siècle, il est multiplié par 3. Donc il y a trois fois plus, il y a moins de moulins, mais ces moulins sont beaucoup plus puissants. Et il y a en puissance, on a trois fois plus de puissance hydraulique installée à la fin du 19e siècle qu'on en avait au début du 19e siècle. Donc la machine à vapeur ne remplace pas le moulin. D'accord ? Elle s'additionne en fait avec la force hydraulique. Et puis évidemment, à la fin du 19e siècle, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, qui est l'hydroélectricité. Et là, la puissance hydraulique s'accroît de manière phénoménale grâce à ce nouveau dispositif technique. Mais l'éolien aussi ne fait que croître au 19e siècle. On a l'image des vieux moulins hollandais du siècle d'or du 17e siècle en Hollande. Mais en fait, l'éolien, c'est une grande technologie du 19e siècle. C'est la technologie de la globalisation économique du 19e siècle. C'est ce qui alimente en fait en énergie le commerce international avec des voiliers qui sont de plus en plus efficaces, de plus en plus grands, qui vont de plus en plus vite, qui sont en fait le principal moteur pour le transport des marchandises. Et la machine à vapeur, les bateaux à vapeur ne concernent surtout que le transport des passagers. Et puis l'éolien, c'est aussi une modernisation par la production industrielle d'éoliennes. À la fin du 19e siècle, aux États-Unis, il y aurait plus de 6 millions d'éoliennes qui ont été installées, surtout dans les grandes plaines du Midwest, donc des endroits plats où il y a peu de force disponible par l'énergie hydraulique, mais où par contre l'énergie éolienne fonctionne très bien. Et ces 6 millions d'éoliennes, c'est évidemment des objets technologiques récents, ils sont mis au point dans les années 1860-70, qui utilisent les derniers acquis des sciences de l'époque, en termes de comment des systèmes qui permettent de suivre le vent automatiquement. Et ces 6 millions d'éoliennes, elles ont eu le rôle fondamental de rendre possible l'exploitation agricole du Midwest. Elles pompent de l'eau, et cette eau sert à irriguer les terres, à abreuver les bêtes, ou d'ailleurs aussi à remplir des réservoirs qui sont utiles pour les chemins de fer, qui fonctionnent évidemment avec de l'eau, puisque c'est des locomotives à vapeur. Donc, si vous voulez, le point que je trouve important dans cette affaire, c'est que la mise en culture du Midwest américain, l'ouverture du Midwest américain, c'est un très grand phénomène historique. C'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'il y a une abondance de grains et que dans les pays riches, en Europe, la crainte de la famine, de la disette, disparaît dans le dernier tiers du 19e siècle.
Et c'est un phénomène majeur qui a été essentiellement alimenté, non pas avec des énergies fossiles, mais avec des énergies renouvelables, avec l'éolien. La force musculaire aussi, elle augmente au cours du 19e siècle. Déjà, dans un premier temps, on utilise de plus en plus de chevaux pour faire tourner des machines, dans la première moitié du 19e siècle. Et en outre, ces chevaux sont de plus en plus puissants. Pour l'énergie agricole, évidemment, le cheval domine largement avec le bœuf. Donc c'est vraiment de l'énergie musculaire qui permet d'augmenter la production agricole. Et le muscle humain aussi augmente au cours du 19e siècle. Et d'une manière intéressante, c'est que c'est des technologies modernes. Ce n'est pas la persistance de l'ancien, ce que je vous raconte. À la fin du 19e siècle, il y a une pléthore d'inventions techniques qui servent à mobiliser de manière beaucoup plus efficace l'énergie humaine. Ça passe par des techniques qui sont assez invisibles, qui ne sont pas forcément, dans les livres d'histoire traditionnels, mais qui jouent un rôle fondamental pour l'histoire de l'énergie. Si vous prenez, par exemple, le roulement à billes. Le roulement à billes, c'est quelque chose qui rend beaucoup plus efficace la force musculaire humaine. Toute la manutention dans l'industrie, dans les ports, dans ces endroits où on transporte de lourdes charges, elle est transformée à la fin du 19e siècle, pas forcément avec des technologies carbonées, mais aussi avec des technologies comme les chariots ou bien un sol bien plat en ciment avec des roulettes en caoutchouc. Tout ça, ça transforme radicalement la disponibilité de la force musculaire humaine. Un exemple que je trouve assez parlant, c'est les chemins de fer à voie étroite. En France, il y a une grande entreprise qui s'appelle Decauville, qui, dans les années 1860, exporte ces chemins de fer, donc qui sont des chemins de fer très légers, qui sont installés rapidement, à travers le monde entier. Il y a des milliers et des milliers de kilomètres de voies de chemin de fer qui sont en fait installées manuellement, et sur lesquels il n'y a pas de locomotive, mais des chariots qui sont poussés par la force humaine. Ces chemins de fer à voie étroite, ils servent massivement dans les exploitations agricoles, dans les usines, dans les plantations coloniales, dans les plantations tropicales en général. Et donc là, on a un exemple. Vous voyez, le chemin de fer, c'est autant une technologie carbonée qu'une technologie qui est en fait alimentée par la force musculaire humaine. Un exemple qui peut paraître trivial, mais qui montre bien aussi la modernité de la force musculaire humaine, c'est la machine à coudre. Vous avez devant vous le plus haut gratte-ciel de Manhattan, qui a été inauguré en 1908. C'est le siège de l'entreprise Singer aux États-Unis, l'entreprise de machines à coudre, hein, qui est une des grandes multinationales, une des premières grandes multinationales qui existent, hein, dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui vend des millions de machines à coudre. Et ces machines à coudre, si vous voulez, elles fonctionnent donc avec l'énergie musculaire humaine, essentiellement des femmes. Ce sont des millions de femmes qui, à la fin du 19e siècle, sont employées comme couturières, qui utilisent des machines à coudre avec une énergie donc musculaire. Le lieu où l'énergie musculaire est sans doute la plus importante, c'est tout ce qui est construction, et encore de nos jours. C'est assez difficile à quantifier, donc on a du mal à donner des chiffres précis, mais si vous prenez par exemple l'histoire de la brouette, en France, il y a une grande entreprise de brouette qui s'appelle Hammerlin, qui connaît son âge de gloire dans les années 1960. C'est là où elle vend le plus de brouettes dans son histoire. Elle vend des centaines de milliers de brouettes par an, ce qui veut bien dire que la construction, où il y a des centaines de millions d'employés sur la planète, hein, qui travaillent dans la construction, dans la production de bâtiments, tout ça, ça repose sur de la force humaine. Alors, ça, c'était le premier point le plus basique. Sortir, une bonne fois pour toutes, de cette idée de transition, l'idée que des sources d'énergie deviendraient obsolètes. L'histoire est au contraire une histoire d'addition énergétique. Mais de manière plus subtile, l'histoire de l'énergie est aussi marquée par une relation symbiotique, par une dynamique symbiotique entre les sources énergétiques. Là, c'est sans doute le point le plus délicat de la conférence. Vous avez devant vous un graphique qui est très important dans l'histoire de l'énergie. C'est des données qui ont été produites par un collègue qui s'appelle Paul Ward, qui ont été reprises par différents historiens, par Anthony Wrigley, par exemple,
duquel je prends ce graphique, qui représente l'évolution du mix énergétique anglais du XVIe au XIXe siècle. Et vous avez en gris clair le charbon, en gris foncé le bois de feu. Je vais simplement considérer ces deux sources d'énergie. On a l'impression d'une très belle transition là. Une croissance très forte du charbon, évidemment, en 5 siècles, et une diminution progressive du bois qui atteint zéro au milieu du 19e siècle. Donc l'Angleterre, au milieu du 19e siècle, l'Angleterre de la Révolution industrielle, ne consommerait plus de bois pour son énergie à partir des années 1850, si on prend ces données-là, qui ont été reprises par tous les historiens dont je vous ai mentionné l'existence au début, tous les historiens qui parlent de la révolution industrielle et de l'énergie se fondent sur ces travaux-là, sur ces graphiques-là, pour raconter une histoire de transition. Le problème, c'est que ce graphique repose sur une certaine manière de compter l'énergie qui est tout à fait discutable. Si vous prenez les mines de charbon anglaises au XXe siècle, début XXe siècle, ce sont des milliers de kilomètres de galeries souterraines qui doivent être boisées. C'est-à-dire qu'il faut installer des poteaux, des planches, pour soutenir le toit des galeries. C'est absolument indispensable, sinon évidemment les galeries s'effondrent. Et je ferai remarquer que les éboulements sont la première cause de mortalité des mineurs au XIXe siècle, au XXe siècle encore. Ces galeries, elles sont moites, elles sont chaudes, et le bois est tout le temps en train de pourrir. Enfin, ces galeries, il faut les laisser ouvertes parce qu'elles sont nécessaires pour aérer les mines, pour ventiler les mines. Le résultat, c'est qu'au début du XXe siècle, l'Angleterre consomme uniquement dans les mines 4,5 millions de tonnes de bois. Alors 4,5 millions de tonnes de bois, c'est ce genre de chiffre très abstrait dont il est difficile d'avoir... évidemment une compréhension, mais à titre de comparaison, l'Angleterre brûlait pour produire de l'énergie 3,5 millions de tonnes de bois au milieu du XVIIIe siècle. Ça veut dire que l'Angleterre consomme plus de bois rien que pour extraire du charbon qu'elle n'en brûlait au milieu du XVIIIe siècle. Vous voyez le récit de la transition énergétique du bois au charbon. En fait, quand on creuse un peu, il fonctionne assez mal, y compris pour des pays leaders dans le charbon, évidemment, comme l'Angleterre. Alors, il va de soi que, il n'y a pas, évidemment, l'Angleterre est un cas assez particulier au XIXe siècle, mais au cours du XXe siècle, tous les pays, grands pays industriels, se mettent à consommer de plus en plus de charbon à partir des années 1860. Et donc, on a une croissance phénoménale de la consommation de bois dans les mines. Si vous prenez... Alors, ça, c'est un graphique qui représente donc la consommation de bois de mine au XXe siècle. La chose assez frappante, me semble-t-il, c'est que ça met très longtemps à diminuer. Les mines dans tous les pays du monde consomment énormément de bois jusque dans les années 1950-60 en fonction de la modernisation du secteur minier. La Russie, dans les années 1960, consomme 25 millions de mètres cubes de bois. 25 millions de mètres cubes de bois, ça paraît abstrait, mais c'est autant que tout ce que la forêt française produit de matières ligneuses au début du XXe siècle. Et là, on parle de bois d'œuvre, d'un bois de grande qualité. Donc, il faut imaginer que la Russie repose sur des productions forestières absolument gigantesques, uniquement pour produire du charbon. Je trouve que cette relation entre bois et charbon, elle est intéressante parce que ça montre bien la difficulté que possède une nouvelle source d'énergie pour se désencastrer, pour se libérer des matières et des énergies qui lui préexistent. Dans le cas du charbon, il faut attendre, il faut attendre des siècles, si vous voulez, pour que les mines de charbon arrivent à se libérer du bois qui lui était nécessaire. C'est lié à des processus de modernisation de l'extraction minière souterraine. Mais même ça, ça ne suffit pas. Le vrai moment de libération du charbon, ça va être évidemment les mines en surface. Ces grandes mines qu'on trouve dans l'ouest des États-Unis, qu'on trouve en Australie, qu'on trouve en Allemagne, où on extrait non pas du charbon, mais de la lignite, donc un charbon qui se trouve assez proche de la surface. On enlève le sol qui se trouve sur ce charbon avec des énormes bulldozers, et ensuite on extrait ce charbon avec des machines absolument gigantesques. Et là, évidemment, on se passe de bois. Mais en attendant cela, le charbon a toujours nécessité énormément de bois pour pouvoir être extrait. Je dirais que montrer cette
cette intrication entre l'ancien et le nouveau, cette symbiose en vérité entre l'ancien et le nouveau, le temps que ces énergies mettent pour se désintriquer les unes des autres, ça permet de réfléchir au temps que pourrait prendre une vraie transition vers les renouvelables de nos jours. Alors, le cas des mines de charbon est juste un cas particulier. Évidemment, il y a tout plein d'autres grands systèmes techniques qu'on considère emblématiques du charbon qui, en fait, reposent sur du bois. Si vous prenez les chemins de fer, on aurait dû appeler ça des chemins de bois. Les voies de chemin de fer, jusqu'à très tard, les traverses sont en bois. C'est assez récent, les traverses en béton pour les grandes lignes de TGV, etc. C'est tout à fait récent. Encore de nos jours, dans tout plein de pays, les chemins de fer reposent sur des traverses en bois qui ont besoin d'être changées très régulièrement pour les mêmes raisons que les poteaux de mine. Ça pourrit, ça moisit, ça s'est abîmé, etc. Aux États-Unis, à la fin du 19e, début 20e siècle, il y a toute une hantise sur l'épuisement des forêts à cause des chemins de fer. Et les ingénieurs forestiers calculent que 10% de la surface forestière est consacrée à la production des traverses de l'immense réseau ferroviaire américain du début du XXe siècle. Et donc, je dirais que la transition du bois au charbon, déjà, elle ne marche pas en termes énergétiques. Elle marche évidemment encore moins si on prend en compte le bois comme matériau de construction, comme matériau d'emballage, où là, on a une explosion de la croissance de bois. Si vous prenez le cas de l'Angleterre, qui est évidemment paradigmatique, la consommation de bois entre 1840 et 1930 est multipliée par 6. Elle est multipliée par 3 par habitant. Donc les Anglais des années 1930 consomment 3 fois plus de bois que les Anglais du début du 19e siècle. Donc vous voyez, comme transition énergétique, on fait mieux. Alors, cette relation symbiotique entre charbon et bois, elle vaut en fait pour toutes les autres sources d'énergie. Si vous prenez le pétrole, ça nécessite beaucoup de bois, ne serait-ce que pour les derricks. Les derricks, c'est des énormes structures de 30 mètres de haut, qui pèsent des dizaines de tonnes, qui sont extrêmement solides, parce qu'il faut résister au choc des instruments de forage. Et des derricks, il y en a 500 000 aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres. Donc il faut imaginer une très forte croissance de l'activité de menuiserie, des scieries, etc., partout où s'installe, partout où on découvre du pétrole. Un autre facteur important, non, pas important, mais je trouve assez parlant de cette relation symbiotique entre les matières et les énergies, c'est l'exemple du tonneau. Vous avez devant vous la plus grande tonnellerie du monde, qui est construite à Belhaven, en Caroline du Nord, aux États-Unis, au début du XXe siècle. C'est de loin la plus grande tonnellerie. Elle est beaucoup plus grande, évidemment, que toutes les tonnelleries que vous avez en Europe, en France, pour l'exportation du vin. Et cette tonnellerie, elle appartient à Standard Oil. Et partout où le pétrole jaillit, vous avez une explosion de la demande de tonneaux. Et vous avez partout des efforts pour, par Rockefeller par exemple, pour capter des droits sur les forêts, pour installer des scieries, pour produire des tonneaux. Le tonneau est complètement modernisé au début, fin 19e, début 20e, du fait, la production de tonneaux s'industrialise, du fait du pétrole. Malgré l'existence de pipelines, malgré l'existence de wagons-citernes, malgré l'existence de navires pétroliers à partir des années 1890, malgré tout ça, malgré cette infrastructure nouvelle du pétrole, très très moderne à l'époque, vous avez quand même besoin, vous avez une croissance du tonneau, parce que même si une petite partie du pétrole ou des produits raffinés est stockée dans les tonneaux, ça crée des débouchés absolument gigantesques pour la tonnerie. Il y a tellement de pétrole que ça crée des débouchés gigantesques. Alors, un autre exemple frappant des relations symbiotiques entre pétrole et bois, c'est tout le mouvement de suburbanisation aux États-Unis et dans le monde qui repose sur ces deux matières. Si vous voulez, la vie de banlieue, elle repose à la fois sur un pétrole bon marché pour faire tourner des voitures, elle repose sur du charbon pour produire le ciment qui sert à construire les routes sur lesquelles roulent ces voitures. Et ça repose sur du bois, qui est le matériau essentiel de la construction de maisons aux États-Unis. De l'ordre de 80 à 90% des habitations aux États-Unis dans les années 1950 sont construites en bois.
Et ce bois, ce n'est pas simplement le bois structurel que vous avez là, c'est aussi en fait une transformation profonde même du bois. Le bois devient en fait un nouveau matériau avec les contreplaqués puis les panneaux de particules. Et qu'est-ce que c'est qu'un panneau de particules ? C'est un exemple assez, assez frappant aussi de symbiose entre pétrole et bois. Vous prenez n'importe quel résidu de scierie, de la sciure ou bien des copeaux de bois, en gros le bois de mauvaise qualité, peut être utilisé comme matériau de construction grâce à du pétrole, parce que c'est, on utilise des nouvelles résines qui sont issues du pétrole et qui rendent les panneaux possibles à produire et surtout qui résistent à l'humidité. Et donc, vous avez de plus en plus de maisons qui sont construites avec des panneaux en bois. Ce n'est pas forcément les maisons évidemment les plus luxueuses, mais ça décuple, si vous voulez, la productivité du travail dans le bâtiment. Parce que d'un coup, plutôt que s'embêter à mettre des rondins, des lambris, etc., vous arrivez directement avec des panneaux de particules que vous plaquez sur les maisons. Toutes les cloisons intérieures aussi, avec l'invention du placoplâtre, c'est des symbioses énergétiques. Le placoplâtre, une très grande technologie qui s'est prodigieusement développée dans après la Seconde Guerre mondiale, qui de la même manière rend beaucoup plus efficace le travail dans le bâtiment. Le placoplâtre, c'est produit avec du carton, donc avec du bois. Et le plâtre qui est au milieu, c'est du gypse, en fait, qui est de plus en plus produit à partir des années 60-70, à partir des résidus de la combustion du charbon et de la captation du dioxyde de soufre dans les usines de charbon. Donc vous avez un autre exemple, si vous voulez, de matériaux nouveaux qui reposent sur des symbioses énergie et matière. Là où le pétrole et le bois sont aussi rentrent aussi dans des relations symbiotiques très puissantes et très utiles, c'est tout le secteur de la logistique et de l'emballage. Vous avez, donc je vais parler déjà du tonneau, évidemment, mais alors, le tonneau devient naturellement un contenant de plus en plus marginal qui est concentré pour les alcools et les vins à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Mais ça ne veut pas du tout dire que le bois disparaît de la logistique. Le bois est sans cesse réinventé à travers la caisse, à travers le carton et à travers la palette. Par tonne de marchandises, vous consommez moins de bois pour emballer votre marchandise, mais vu qu'il y a une explosion du commerce et du transport de marchandises, en fait, la consommation du secteur de la logistique de bois ne fait que croître. Aux États-Unis, la production de palettes, dans les années 90, elle atteint un pic. On est entre 400 et 500 millions de palettes produites chaque année. En France, autour des années 2000, on doit être à 70 millions de palettes produites chaque année. Et à ça s'ajoute évidemment le carton qui ne fait que croître et qui a encore cru très récemment avec le confinement et le développement des achats par Internet. Vous avez un renchérissement du carton. Ça montre bien aussi l'importance fondamentale encore du bois pour l'économie contemporaine. La relation symbiotique entre pétrole et bois, elle se joue dans le secteur de la demande, mais elle se joue aussi au niveau de la production. Grâce au pétrole, on a accès à beaucoup plus de bois. Et l'extraction du bois coûte de moins en moins cher. Ça passe par des technologies d'attaque, comme la tronçonneuse. La tronçonneuse, c'est inventée dans l'entre-deux-guerres, mais ça se diffuse surtout dans les années 50-60. Ça décuple, en gros, la productivité du bûcheron. Tous les engins grumiers, le transport de troncs, etc., ça rend beaucoup moins cher aussi le bois. Il faut savoir que, en fait, ce qui coûte cher dans le bois, ce n'est pas tant la matière que le transport. Et donc, la création de routes aussi, la multiplication de routes forestières grâce à des biosphères, tout ça, ça réduit le coût du bois. Un exemple qui est aussi assez frappant, c'est la centrale de Drax. C'est une centrale en Angleterre, pas très loin de Leeds, une centrale à charbon au départ, qui s'est reconvertie à la biomasse sous couvert, évidemment, de transition écologique. Pour réduire les émissions de CO2, l'idée, c'est plutôt que brûler du charbon, on va brûler de la biomasse. Actuellement, Drax brûle 6 millions de tonnes de bois par an. Donc plus que les étais dans les mines au XXe siècle et beaucoup plus que ce que l'Angleterre brûlait de bois au milieu du XVIIIe siècle. Donc l'Angleterre, actuellement, c'est-à-dire en 2020, en fait, en valeur absolue, consomme plus de bois pour l'énergie qu'elle n'en consommait au XVIIIe siècle.
C'est bizarre, quand même, après 2 siècles de transition énergétique, d'en arriver à ce résultat-là. Et cette centrale thermique au bois, elle repose évidemment sur des influx de pétrole dans toute la chaîne logistique, pour recouper le bois, pour transformer le bois en copeaux, pour transporter ces copeaux de bois dans d'immenses navires qui sont alimentés au diesel. Tout ça repose sur une symbiose entre le bois et le pétrole. Je vais aller plus vite sur les autres relations symbiotiques, mais une aussi qui est très importante, c'est évidemment entre charbon et pétrole. On peut lire des fois que le pétrole remplacerait le charbon, que le pétrole serait l'énergie du XXe siècle, le charbon l'énergie du XIXe siècle, mais tout ça n'a évidemment pas grand sens. Le pétrole, ça sert essentiellement au début du XXe siècle et encore de nos jours à faire tourner des voitures, à faire avancer des voitures. Donc ça nourrit un nouveau système technique qui, lui, repose essentiellement sur du charbon. Une voiture, dans les années 30, pour produire une voiture, il faut 7,5 tonnes de charbon, parce qu'il y a de l'acier, parce qu'il y a de l'énergie. Et ces 7,5 tonnes de charbon, c'est davantage ou à peu près équivalent à la masse de pétrole que la voiture brûlera au cours de son existence. Donc une voiture au milieu du XXe siècle, c'est autant de charbon que de pétrole. À cela s'ajoute tout le charbon qui a été utilisé pour produire l'infrastructure pétrolière, les pipelines, les tankers, les citernes, etc. Et à cela s'ajoute encore tout le charbon qui a été nécessaire pour produire le ciment qui sert à fabriquer les routes sur lesquelles tournent les voitures. Au final, il y a des calculs qui sont faits par des ingénieurs dans les années 30, des ingénieurs anglais et français. Ils estiment que chaque tonne de pétrole induit une consommation de charbon au moins triple. Pour chaque tonne de pétrole consommée, vous avez 2, 3, 4 tonnes de charbon de consommation induite pour produire la voiture, pour produire le ciment, pour produire toutes les infrastructures pétrolières. Donc vous voyez, quand on raconte le XXe siècle comme une transition du charbon au pétrole, ça ne fonctionne absolument pas. Vous avez devant vous la fameuse usine de Ford sur la rivière Rouge aux États-Unis. Vous avez un énorme tas de charbon parce qu'il y a une énorme centrale thermique pour produire ces voitures. Une centrale thermique qui est équivalente à une centrale alimentant une ville d'un million d'habitants pour produire. Donc c'est une usine qui est inaugurée au début des années 30, qui consomme des quantités de matière absolument faramineuses. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, et ça, pour le coup, la culture a un peu changé, c'est que les industriels de l'automobile, dans les années 20, 30, surtout après la crise de 29, sont très fiers de raconter toutes les matières premières qu'ils consomment. Et donc vous avez par exemple ce graphique qui est produit par le syndicat de l'automobile américain, des industriels d'automobile. Ils sont très fiers d'expliquer que les voitures consomment 45% de l'aluminium, 52% du verre et 11% de l'acier, etc., etc. Il y a une mise en avant de toutes ces consommations matérielles, parce que pour montrer qu'en fait, acheter une voiture, c'est faire tourner, si vous voulez, la machine économique. C'est un peu l'inverse maintenant, où on présente sous l'angle du scandale le fait que ces petits gadgets électroniques consomment des quantités en fait très importantes de matière et d'énergie pour être produits. Alors, la question qui va m'occuper pendant le reste de la conférence, elle est toute simple. Comment ça se fait, en dépit de cette histoire de l'énergie que je vous ai présentée à grands traits, qui est une histoire qui est fondamentalement cumulative, une histoire d'accumulation symbiotique de matière et d'énergie. Comment ça se fait que la notion de transition soit aussi présente quand on parle d'énergie? Comment ça se fait que les historiens parlent de transition quand ils racontent l'histoire de l'énergie? Et comment cette vision de la transition a fini par définir le discours actuel sur l'énergie. Alors, le premier point qu'il faut remarquer, c'est que c'est relativement récent. Ce dont je vous ai parlé, les experts sur l'énergie des années 20, 30, 50 et encore dans les années 60 en ont parfaitement conscience. Et pour eux, l'histoire de l'énergie n'est pas du tout marquée par des transitions. Et le futur non plus, d'ailleurs. Là, vous avez devant vous ce qui est sans doute l'un des premiers graphiques qui représente le mix énergétique mondial, l'évolution du mix énergétique mondial entre 1913 et 1931. C'est un graphique produit par l'administration des mines américaines. On a une tendance
à l'amplification de chaque source énergétique, sauf après 1929. Mais évidemment, le commentaire de l'ingénieur qui produit ce graphique, ce n'est pas du tout qu'on est en train de vivre une transition, c'est simplement qu'il y a la crise, hein, donc une réduction de la consommation de charbon, et aussi l'effet de la croissance de l'efficacité énergétique, en particulier dans les centrales thermiques américaines, qui fait qu'on consomme pendant un temps moins de charbon pour produire de l'électricité parce que les centrales thermiques gagnent en efficacité assez rapidement dans ces années-là. Mais je dirais que l'espoir d'une transition vers autre chose que du charbon n'est pas du tout présent à ce moment-là dans les discours sur l'énergie. Un autre graphique des années 70 qui montre bien aussi ce sentiment de permanence, d'inertie, à travers l'utilisation d'une échelle logarithmique qui permet de représenter des sources d'énergie très importantes comme le charbon et des sources d'énergie moins importantes comme le bois. Et ça permet de montrer la relative stabilité au fond de l'usage énergétique du bois aux États-Unis sur un siècle. Dans les années 60, aux États-Unis, on consomme encore beaucoup de bois pour des raisons industrielles ou pour se chauffer dans des foyers domestiques. On consomme des quantités importantes de bois qui sont comparables avec ce que les États-Unis consommaient à la fin du 19e siècle. Un autre graphique qui montre bien l'absence de cette idée de transition dans la réflexion énergétique, c'est un graphique qui est produit par un promoteur du solaire aux États-Unis dans les années 70, qui est un graphique de futurologie. Ça veut représenter l'évolution future du mix énergétique américain à l'échelle pluriséculaire, puisqu'il se finit en 2200. La chose qui est frappante, c'est que cet expert-là ne voit absolument pas de transition à venir, absolument pas de substitution. La seule substitution qu'il y aura, c'est qu'on apportera plus de pétrole et qu'on aura moins de pétrole domestique, parce qu'il sait très bien que les puits de pétrole aux États-Unis, de pétrole conventionnel, vont s'épuiser à un moment ou à un autre. Et donc le pétrole américain coûtera plus cher que le pétrole importé, et donc on importera plus de pétrole. Mais le charbon va croître, l'énergie nucléaire va croître, la consommation totale de pétrole va croître, évidemment le solaire va croître, puisque c'est un promoteur de l'énergie solaire. Bon. Mais pour cet expert-là, vous voyez, le futur, c'est un présent agrandi. Ce n'est pas un présent radicalement différent. Le futur énergétique, c'est simplement l'amplification de toutes les sources d'énergie disponibles à un moment donné. Alors, comment ça se fait que la notion de transition se soit imposée? Elle vient d'un milieu assez particulier de savants qu'on peut qualifier de malthusiens atomiques. Pourquoi des malthusiens atomiques? Parce que d'abord, c'est des savants atomistes, c'est même de grands savants atomistes. Pour la plupart, ils ont travaillé à l'élaboration de la bombe atomique américaine dans le projet Manhattan. Ils travaillent dans un laboratoire bien spécifique qui est à l'Université de Chicago, qui est le laboratoire où on a fait fonctionner la première pile atomique, sous l'égide de Enrico Fermi, en décembre 1942. Et certains de ces savants racontent à quel point ils ont été absolument fascinés par les premiers calculs, les premières équations qui montraient l'énorme production d'énergie, et en particulier par une réaction spécifique qui est la surgénération nucléaire. Et ces savants atomistes, par exemple Alvin Weinberg, qui fait partie de ce groupe-là et qui est un grand promoteur de l'atome aux États-Unis jusqu'aux années 80, Alvin Weinberg raconte dans son autobiographie comment il devient absolument convaincu que tout le futur de l'humanité dépend de l'énergie atomique, et en particulier des réactions de surgénération, qui permettent d'avoir des rendements extraordinaires. On utilise l'essentiel de l'uranium pour produire de l'énergie. Ce sont aussi des savants malthusiens, c'est-à-dire des savants qui sont préoccupés au premier chef de l'épuisement des ressources. Aux États-Unis, en Angleterre aussi, enfin dans les pays anglo-saxons, il y a une très grande tradition de réflexion sur la croissance démographique, l'épuisement de la nature lié à la croissance démographique. Ça remonte à Thomas Malthus lui-même, un philosophe anglais de la fin du XVIIIe siècle. Ça évolue au cours du temps, mais disons que dans les pays riches, aux États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, la question centrale, c'est plus tant la nourriture. Les rendements agricoles croissent très rapidement à cette époque-là, que l'énergie.
si vous voulez, la limite n'est plus pensée en termes d'hectares et de production de grains, elle est pensée en termes de réserves et de ressources énergétiques. Et c'est pour ça que l'atome est aussi important dans, pour ces savants, parce qu'ils sont persuadés d'avoir découvert la technologie clé qui permettra d'échapper au piège malthusien. Ça passe par des projets assez farfelus, un peu grandioses, qui permettent d'utiliser l'atome pour produire de la nourriture. Alors comment on fait ça ? Eh bien, tout simplement en imaginant des combinats atomiques et agricoles, des grandes centrales atomiques qui pourraient par exemple désaliniser l'eau de mer, irriguer de vastes étendues arides, produire des engrais et donc mettre en culture des zones qui ne sont pas actuellement cultivables. Et si vous voulez, ce projet-là, c'est quelque chose qui est poursuivi jusqu'à un certain point. Et sous la présidence Johnson, dans les années 60 aux États-Unis, il y a l'idée aussi, par exemple, qu'on va régler le problème au Moyen-Orient en développant ce genre de technologie, ce qui fait qu'il n'y aura pas de problème de conflit de territoire entre Israéliens et Palestiniens. Donc c'est une sorte de technophile extrêmement utopiste, si vous voulez, dans la puissance de l'atome. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est dans ce petit milieu assez particulier, vous en conviendrez, que va émerger l'idée de transition énergétique et qui va ensuite coloniser le discours de l'énergie. Alors, parmi ces savants-là, il y a un monsieur qui s'appelle Harrison Brown. Harrison Brown, donc il était au laboratoire de Chicago où on fait la première pile atomique. C'est aussi un membre des cercles néo-malthusiens américains pendant la guerre froide. C'est lui qui invente l'expression transition énergétique. Il le fait en 1967 dans un texte qui en fait parle de croissance démographique, de contrôle de la population, de contrôle de la démographie, en particulier dans les pays pauvres. Et il invente ce mot à partir d'une autre expression qui était à la mode, qui était celle de transition démographique, qui était antérieure, qui datait de 1945, inventée par un sociologue qui s'appelle Kingsley Davis. Et déjà, chez Kingsley Davis, il y avait cette idée que la croissance démographique est liée à la croissance de la production d'énergie. Si la démographie croît au 19e siècle, selon lui, c'est parce qu'il y a plus d'énergie. C'est tout à fait discutable, hein. On pourra revenir là-dessus. Et Harrison Brown dit finalement, le problème qu'on affronte de la croissance démographique mondiale, il faut le resituer dans cette histoire de l'énergie. Et grâce à l'énergie atomique, on va augmenter la capacité de charge, c'est-à-dire la capacité à nourrir des gens de la planète. Et donc, la transition démographique va être accompagnée d'une transition énergétique. Un autre acteur important, qui lui n'est pas un physicien, mais un géologue, dans ce petit milieu des malthusiens atomistes, c'est Marion King Hubbert. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, parce que Marion King Hubbert est considéré comme le père de la théorie du pic du pétrole, théorie qui ressort évidemment régulièrement en fonction des cours du pétrole. Le point important, c'est que cette théorie du pic pétrolier, quand Marion King Hubbert la formule, c'est toujours en lien avec une opération de promotion de l'atome. Les papiers sur le pic du pétrole, en fait, c'est des papiers pour expliquer à quel point l'atome est une technologie absolument indispensable, une technologie clé pour le futur de l'humanité. Et d'ailleurs, donc c'est un papier de 1956, hein, dans ce papier de 1956, il fait une comparaison entre l'énergie disponible avec le nucléaire, en particulier avec la surgénération, et l'énergie disponible dans les fossiles. Et il dézoome, si vous voulez, l'histoire de l'humanité, c'est le graphique du bas, où vous avez de moins 5000 à plus 5000 ans. Quand on considère l'humanité à cette échelle, vaste échelle des temps historiques, finalement, les fossiles, le pétrole et le charbon, c'est pas grand-chose. Ça sera que ce maigre pic en gris foncé, hein, que vous avez sur le graphique. Mais les fossiles ne forment un pic que mis en comparaison avec l'immense plateau énergétique couvre l'énergie atomique. Alors, Marion King Hubbert, il intervient à plusieurs reprises. Il faut savoir qu'il est recruté par l'Atomic Energy Commission américaine, donc l'équivalent du CEA, mais plus industriel aux États-Unis, parce que c'est un expert de géologie pétrolière. Et à ce moment-là, en 1955, l'Atomic Energy Commission envisage de rejeter les résidus nucléaires liquides dans des vieux puits de pétrole abandonnés. Et pour vérifier si ce n'est pas une si mauvaise idée, il demande des rapports à Marion King Hubbert.
Mais évidemment, Marion King Hubbert est aussi très utile comme rouage dans la propagande pronucléaire à ce moment-là. Et il intervient devant le Sénat, devant le Congrès à plusieurs reprises. Il remet un rapport en 1969 au président américain, expliquant aussi à quel point c'est très important de financer très largement les recherches sur la surgénération nucléaire pour le futur de l'humanité. C'est dans ce contexte-là qu'émerge une notion qui est très étroitement liée à celle de transition énergétique, qui est la notion de crise énergétique. Crise énergétique, on a tendance à penser, et dans l'historiographie c'est en tout cas comme ça que c'est présenté, que c'est lié au choc pétrolier de 1973, que ce serait lié au pétrole hein, et à l'embargo pétrolier de l'OPEP. C'est lié évidemment au pétrole du Moyen-Orient. En fait, non. Cette idée de crise énergétique, elle précède 1973. Elle apparaît dès les années 1967, 68, 69 dans la littérature grise de la Commission de l'énergie atomique américaine. Et à ce moment-là, la notion de crise énergétique, elle est utilisée principalement comme argument contre le mouvement environnementaliste. L'idée, en utilisant ce mot, c'est de dire, OK, il y a une crise de l'environnement, une crise environnementale, la presse n'arrête pas d'en parler, à la télé, on voit des images effrayantes de marées noires, etc. Les centrales atomiques aussi, ça fait peur et les gens râlent, se plaignent, il y a des procès contre les procédures d'autorisation des centrales atomiques. Le mouvement environnementaliste, c'est très bien, ils mettent en avant la crise environnementale, qui est un problème potentiel, mais il y a quelque chose qui arrive beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus grave, et c'est la crise énergétique. C'est vraiment présenté comme ça, si vous voulez, dans la littérature grise. Et on a des séminaires qui sont montés par des experts de l'AEC, pour les journalistes, pour les juristes, pour expliquer aux États-Unis, aux Américains, si vous voulez, le contexte énergétique et cette idée de crise énergétique à venir. Et par exemple, ça c'est une publicité de 1972, donc on est avant le choc pétrolier, qui explique que le charbon sera bientôt éteint. Et heureusement, General Electric est en train de travailler sur son successeur, qui est le surgénérateur nucléaire. Faut savoir aussi que dans les années 1960, la consommation d'électricité aux États-Unis croît très vite. Et en 1965, il y a un blackout à New York, une interruption de l'électricité, des délestages réguliers. Et alors, il y a plein de raisons qui expliquent cela. Principalement le fait que les mines de charbon, les propriétaires de mines de charbon américains préfèrent exporter du charbon sidérurgique vers le Japon et l'Europe plutôt que produire du charbon vapeur qui coûte moins cher pour les États-Unis. Donc ça ne s'explique pas du tout par des problèmes malthusiens, mais vous voyez, c'est dans ce contexte-là, en fait, de blackout successifs dans les années 60 et dans le lobbying de l'AEC que la notion de crise énergétique s'impose. Et ce qui va se passer, c'est évidemment, après 1973, c'est ce discours-là qui était au départ assez localisé, qui était vraiment lié à la promotion de l'atome, qui va se diffuser dans l'ensemble parmi tous les experts, dans l'espace public, l'idée qu'il y a une crise énergétique et que face à la crise énergétique, il faut faire une transition énergétique. C'est à ce moment-là, si vous voulez, que ça se diffuse pour la première fois plus largement. Le point important, si vous voulez, c'est que après 1973, tout le monde se met à parler ce vocabulaire-là, et même les écologistes. Par exemple, Amory Lovins, qui est un promoteur du solaire et des renouvelables aux États-Unis, il est très critique de l'atome. Mais quand il parle de l'énergie solaire, il dit, voilà, on pourra faire basculer tout le système énergétique américain en 30 ans vers un système 100% solaire. Donc une vision extrêmement utopique de l'évolution des techniques. Une vision des techniques comme quelque chose de très malléable, qui évolue très très vite. Et finalement, il récupère, si vous voulez, cette vision un peu hubristique qui venait du nucléaire, et il la transpose, il la projette sur des énergies qui ont des caractéristiques différentes que sont les renouvelables, le solaire, l'éolien, etc. Un des personnages clés aussi dans la mise en place du récit et de l'imaginaire de la transition, c'est Jimmy Carter, président des États-Unis. Et en avril 1977, il fait un grand discours à la Maison-Blanche, que vous pouvez trouver sur YouTube, hein, qui est assez intéressant. C'est un cours d'histoire. Il commence en disant, voilà, on a un problème face à l'énergie.
Mais on va trouver une solution parce que par le passé, nos ancêtres ont trouvé des solutions. On a déjà fait aux États-Unis deux transitions énergétiques, l'une du bois au charbon, la seconde du charbon au pétrole. Et maintenant, on va faire une troisième transition du pétrole vers autre chose. Alors, cette autre chose, en fait, chez Jimmy Carter, c'est marginalement solaire, c'est surtout le charbon. Ce qu'il annonce, c'est en fait une multiplication par trois de la production de charbon aux États-Unis. Et parler de transition énergétique, ça a un grand intérêt pour lui, un intérêt politique, c'est de donner un aspect un peu futuriste à un programme énergétique qui est au fond assez traditionnel. On va relancer une énergie qui est plus polluante, moins moderne, si vous voulez, que le pétrole ou que le gaz, pour faire face à la crise énergétique. Et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, le lendemain, dans le New York Times, vous avez un grand article, le lendemain du discours, qui dit « Les États-Unis et le monde sont à l'aube d'une troisième transition énergétique ». Alors, ce discours-là, il repose sur un graphique qui se trouve dans son plan énergétique national, donc de 1977. C'est un graphique, vous voyez, qui est très différent de tous les graphiques énergétiques que je vous ai montrés auparavant. C'est un graphique qui prend la part relative de chaque source d'énergie, comment elle évolue dans l'histoire. C'est nouveau par rapport à ce qui se faisait à cette époque où on avait ce type de représentation du mix énergétique, où vous ne voyez pas du tout une transition, avec quelques petites transformations et astuces graphiques, vous pouvez produire ce graphe-là qui donne évidemment une toute autre histoire de l'énergie. Alors, l'inventeur de ce type de représentation, c'est ce monsieur, Cesare Malchetti, et je m'arrêterai sur ce personnage et son influence. Cesare Malchetti, c'est un savant italien, un savant atomiste, qui travaille à l'Euratom au départ, donc l'institut européen qui finance les recherches sur l'énergie atomique, et qui va être embauché en 1975 au IASA. Le IASA, c'est un institut de prospective qui se trouve non loin de Vienne et qui a un rôle très important dans les réflexions sur l'énergie au niveau international, puisque c'est un institut international et tous les experts y passent à un moment ou à un autre. C'est vraiment une plaque tournante pour l'expertise sur l'énergie et la futurologie énergétique. Alors, Marchetti, il est connu surtout parce que c'est le père fondateur, l'inventeur de l'idée d'une économie hydrogène. Tu sais, on entend beaucoup parler de cette idée d'économie hydrogène pour résoudre le problème climatique. C'est le premier à mettre en avant la capacité de l'hydrogène à remplacer toutes les énergies. Il le fait dès les années 1960. Il a une utopie d'hydrogène dès les années 1960. Pourquoi il est obsédé par l'hydrogène? Parce qu'il est convaincu que le nucléaire est la clé de la survie de l'humanité. Et que le nucléaire, tant que ça ne produit que de l'électricité, finalement, ça ne peut remplir qu'une fonction pas très importante, finalement, dans le mix énergétique. L'électricité, c'est 20% de l'énergie, c'est pas grand-chose. Pour que vraiment le nucléaire devienne très important, il faut produire des carburants liquides. Et l'hydrogène va permettre de faire ça. Et donc, il envisage, en fait, la construction d'énormes centrales atomiques au milieu des océans. Comme ça, il n'y a pas de gens qui râlent autour des centrales atomiques. Ces centrales atomiques produisent par hydrolyse de l'eau de l'hydrogène. Cet hydrogène va ensuite être transporté dans le monde entier pour alimenter les voitures, les usines, etc. Alors, ça, c'est son côté un peu docteur Folamour. Mais il y a un côté plus intéressant chez lui, c'est qu'il va s'intéresser, il va étudier un petit peu combien de temps ça pourrait prendre pour qu'une telle transformation ait lieu. Et il va commencer à compiler des données sur l'histoire de l'énergie à l'échelle mondiale de manière intensive. Et il va produire ce genre de graphe pour essayer de voir justement combien de temps les énergies, le système énergétique prend pour évoluer. Donc c'est lui qui invente un peu cette méthode graphique qui va être reprise par Jimmy Carter et qui va donner naissance au discours de la transition, en tout cas la vulgarisation et la popularisation de ce discours de la transition. Le résultat des analyses de Marchetti est extrêmement peu réjouissant. C'est qu'en fait, ça prend très, très, très longtemps. Si vous prenez le pétrole, le début du pétrole, c'est, mettons, 1860, avant que le pétrole occupe la moitié du mix énergétique mondial, et c'est même moins, en fait, c'est 43% du mix énergétique mondial, il faut attendre la fin des années 1960, plus d'un siècle. Donc il a fallu plus d'un siècle pour qu'une énergie qui est très pratique, qui a un très bon retour énergétique, qui est peu coûteuse, très efficace, il a fallu un siècle pour que cette énergie-là occupe simplement un peu moins de la moitié du mix énergétique mondial. Le charbon, c'est pareil. Avant que le charbon vraiment devienne très important, c'est en fait à la fin du 19e siècle. Donc c'est une affaire de siècle. C'est une affaire pluriséculaire, ces affaires de transition énergétique.
Et donc, il arrive à la conclusion un peu déprimante pour lui que le nucléaire, eh ben, ce n'est pas pour ce siècle-là. Et donc, lui, il ne le verra pas. Il a 95 ans maintenant, hein, j'ai pu l'interviewer. Et pour lui, la grande énergie du début du XXe siècle, ce sera le gaz naturel. Ce en quoi il avait vu assez juste. C'est vrai que le gaz naturel a énormément cru. C'était l'énergie qui a le plus cru dans les pays riches au cours des décennies après 1970 jusqu'à nos jours. Mais cette réflexion de Cesare Malchetti, elle s'inscrit dans un contexte plus large qui est celui dans lequel il travaille. Il travaille au IASA, où au IASA, on utilise un modèle de scénario. Alors, qu'est-ce que c'est que ces scénarios ? C'est vous prenez un modèle numérique, un ordinateur, vous rentrez différents paramètres, et le but, c'est de découvrir les trajectoires qui permettent de sortir des fossiles à l'horizon de 50 ans. C'est un peu ça, le cadre que s'était fixé le IASA. C'est le même genre de méthode qu'utilise maintenant le groupe 4 du GIEC, ceux qui s'occupent de montrer qu'une transition est possible, à quelles conditions, etc. Cesare Malchetti est extrêmement critique de cette méthode. Pourquoi ? Parce que, selon lui, cette méthode-là, elle produit en fait autant de scénarios que vous rentrez de paramètres dans le modèle. Et ça donne l'illusion qu'on peut gouverner le mix énergétique mondial. Selon lui, le système énergétique global, finalement, c'est quelque chose de tellement énorme, composé de ressources, de machines, de demandes, de technologies, c'est un truc qui est tellement complexe, tellement énorme, que croire qu'on peut gouverner, modifier radicalement, rapidement cette chose-là est complètement illusoire. Et donc c'est pour ça qu'il dit, voyez cette citation, « N'oubliez pas le système, lui, ne vous oubliera pas. » Alors, le résultat de ces analyses, c'est qu'à partir des années, fin des années 70, début des années 80, il y a cette idée de transition énergétique qui est très présente, qui est bien établi dans le champ de l'expertise sur l'énergie, ce qui n'était pas du tout le cas 10 ans auparavant. La chose étrange, c'est que ce rapport du IASA, donc, où Cesare Malchetti intervient, Cesare Malchetti explique que c'est assez illusoire de croire qu'on va sortir des fossiles en 50 ans, au fond. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et ça va être interprété par certains qui y ont intérêt, comme le IASA a montré qu'en 50 ans, on pouvait faire une transition énergétique. Y compris par les savants qui lancent l'alerte climatique. Je vais vous donner un exemple. Edward David, et ce sera ma dernière slide, Edward David est un personnage important. Il est le directeur des Bell Laboratories dans les années 50-60, au moment où, au Bell Labs, on invente un peu l'électronique moderne. Donc c'est un moment très important, dans un laboratoire très important, quelqu'un qui a joué un rôle fondamental. Et il est aussi conseiller scientifique de Nixon et il rejoint Exxon au début des années 80. C'est un peu l'intellectuel de l'industrie pétrolière, celui qui parle de futurologie, de prospective, etc. En 1982, il est invité à donner une conférence dans un colloque de climatologie, colloque qui est organisé par James Hansen. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est James Hansen, mais maintenant, de nos jours, c'est un peu considéré comme un des pionniers de l'alerte climatique aux États-Unis au début des années 80. Quelqu'un qui a un peu lancé ce thème de la question du changement climatique dans des cercles politiques importants. Et donc, James Hansen lui demande de faire la conférence inaugurale de son colloque de climatologie. Et à ce moment-là, Edward David n'est pas climato-sceptique. Il le deviendra dans les années 90, mais là, il parle devant un cénacle de climatologues. Il ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi sur l'effet de serre, sur le rôle des fossiles dans l'effet de serre, etc. Mais il dit finalement, la question intéressante, ce n'est pas la question de l'effet de serre. Ça, c'est de la vieille physique du 19e siècle. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. La question intéressante, c'est une question temporelle. Qu'est-ce qui va arriver plus vite, la catastrophe climatique ou bien la transition énergétique ? Et là-dessus, les climatologues, finalement, sont assez peu armés. Parce que la chronologie de la catastrophe climatique, elle n'est pas entièrement claire, en 1980, même s'il y a des textes assez effrayants de climatologues qui disent le changement climatique, ça deviendra sensible en 2000, ça aura des conséquences économiques en 2020, et ça sera catastrophique dans les années 2070. Ça, c'est la chronologie qu'on trouve parfois dans des textes des années 70. Hein.
Mais en tout cas, il y a des débats sur combien de temps les calottes glaciaires vont mettre pour fondre, etc. Il n'y a pas de réponse très claire à l'échelle décennale, mettons. Et Edward David dit, il y a une transition, et la transition, ça ira plus vite. Il y a une transition qui est en cours, hein, c'est le discours qui... peu de personnes doutent que le monde est entré dans une transition énergétique en dehors de notre dépendance aux énergies fossiles. Bon. Donc il commence son discours comme ça, sur quelque chose qu'il sait pertinemment faux, hein, puisque à côté de ça, il donne des conférences où il explique que le charbon va fortement croître jusqu'à la fin du XXe siècle, par exemple. Mais la chose intéressante, c'est que finalement, il réutilise ce discours de la transition pour dire, dans le passé... le capitalisme et l'innovation ont produit des transitions, ne nous régulez pas. C'est un argument, en fait, qui est une forme de déni du défi climatique. Ça revient à dire que, face au changement climatique, l'innovation, le capitalisme, est capable, finalement, de régler le problème, puisque, dans le passé, on a vécu ce genre de transformation. Et je dirais que le discours de la transition énergétique a longtemps et peut-être continue de jouer ce rôle-là, une forme de déni du problème climatique, une forme finalement plus soft, beaucoup plus subtile et donc beaucoup plus acceptable de climato-scepticisme. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Je vais faire circuler un micro si vous avez des questions, des commentaires. Je vous prie de lever la main. Alors, je vais peut-être commencer par une question de nos internautes. Je vais vous la lire. Nous avons deux questions. Alors... N'ayant jamais connu de transition énergétique, peut-on imaginer qu'une transition d'une énergie carbonée vers une énergie décarbonée est possible ? Et cela peut-il se faire sans énergie fossile ? Alors la réponse, c'est que ça ne peut pas se faire sans énergie fossile, évidemment. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour comprendre ça. Si vous prenez les sources énergétiques renouvelables... elles dépendent d'une base fossile. Et c'est souvent présenté dans la presse comme une sorte de secret un peu honteux, des énergies qu'on diverte, etc., mais qui en fait dépendraient du carbone. Mais en fait, c'est absolument pas caché. Il faut savoir, par exemple, que les panneaux solaires, ça repose sur du silicium. Le silicium, c'est un métal hein, qu'on retrouve dans le quartz. Il faut extraire ce silicium de la gangue d'oxygène qui l'entoure, faire une opération de réduction. Et ça, on ne sait pas faire autrement qu'avec du charbon. Ou alors du charbon de bois, mais ce qui pose un certain nombre d'autres problèmes. Donc le fait que les énergies renouvelables dépendent des fossiles, c'est évident, et ça va sans doute être comme ça pendant très 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 longtemps. Voilà, si vous voulez, pour produire ce silicium, on utilise des fours à arc électrique. Donc c'est une technologie en fait qui remonte au début du XXe siècle, qui a très peu évolué dans ses principes. Dans ses rendements, dans sa capacité, ça a beaucoup progressé. Mais dans le principe de base, qui est donc la réduction du minerai de quartz pour extraire le silicium, c'est toujours la même chose. Après, une fois que je vous ai dit ça, je pense que ce n'est pas très important. Parce que les quantités de CO2 émises pour produire les panneaux solaires ne sont pas très importantes comparées à un vrai problème qui est en fait la production de ciment, d'acier, la production d'aluminium. Là, pour le coup, on parle de quantités importantes d'émissions. Et donc, finalement, la question, c'est pas tant est-ce qu'on peut avoir des énergies relativement propres, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec ces énergies-là. Si on croit qu'on peut avoir le même monde économique avec du solaire et de l'éolien, je pense que là, il y a un aspect... vraiment trompeur. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer décarboner l'économie avant 2050, ce qu'il faudrait faire, si on pense à consommation constante. Si vous voulez, le problème, ce n'est pas tant le panneau solaire ou l'éolienne que la voiture électrique. Parce que cette voiture électrique, elle consomme beaucoup d'acier ou d'autres métaux très énergivores à produire. Elle a besoin de routes en ciment pour circuler. Le ciment, on ne sait pas le produire sans émettre du CO2 parce que c'est lié à la réaction chimique. En fait, on passe de CaCO3 à CaCO et donc il y a un CO2 qui part dans l'atmosphère. Donc, si vous voulez, la question pour moi, c'est plutôt celle-là, quoi.
C'est pas tant se focaliser sur, mon Dieu, les énergies renouvelables, il y a du charbon, il y a du pétrole, c'est vrai, ça fait absolument aucun doute. Mais c'est plutôt de quoi on a besoin, parce qu'on a quand même besoin d'une certaine quantité d'électricité. Et donc, la question essentielle, c'est plutôt l'ensemble du système qu'il faut regarder, pas simplement le système énergétique. D'une manière générale, les réflexions sur l'énergie, sur l'environnement, se focalisent sur la production énergétique, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'économie en général, c'est les routes, le mode d'urbanisation, etc. C'est là, en fait, où se joue l'essentiel du problème. Est-ce qu'il y a une intervention dans la salle ? Oui. En ce moment, on a une tentative de transformer l'énergie nucléaire en énergie verte. Il y a aussi certains qui pensent que la fusion, à terme, serait une solution. Alors, un autre point important, c'est que, c'est ce que disait Cesare Marchetti, au fond. Le problème du changement climatique, c'est même pas tant un problème technologique qu'un problème de temps de diffusion des techniques. Et donc la fusion nucléaire qui part de zéro, qui n'existe même pas encore, imaginer que ça puisse avoir un rôle important dans le système énergétique à l'horizon 2050, c'est évidemment une erreur. Et même le nucléaire, je vous dirais, la fission, c'est le même problème. C'est-à-dire que la fission nucléaire, en ce moment, c'est une toute petite partie, c'est moins de 7% de l'électricité, donc ça doit être 3 ou 4% du mix énergétique global. C'est quasiment rien, au fond. Donc imaginez qu'avec la fission, on puisse remplacer des énergies fossiles, etc. C'est vraiment impossible à l'échelle des temps impartis. En outre, pour avoir un impact sur le climat, il faut que ce soit une technologie qui se globalise, évidemment. C'est-à-dire si c'est que dans quelques pays riches, ça n'a pas énormément d'influence. Et il n'est pas dit qu'on ait envie qu'il y ait des réacteurs nucléaires de partout dans le monde pour des raisons de prolifération nucléaire, de sécurité, etc. Voilà. Donc il y a des bonnes raisons, pas du tout de peur irrationnelle du nucléaire ou de position idéologique contre le nucléaire, qui reviennent à dire au fond que le nucléaire ne peut pas arriver à temps. Voilà. Et que ce n'est pas une technologie qui peut se globaliser, c'est une technologie qui est coûteuse, compliquée, il faut des infrastructures solide, il faut un État qui fonctionne, etc. Il y a plein de choses qui font que le nucléaire n'est sans doute pas la technologie qui peut faire face à ce défi du changement climatique. Oui. La fusion, j'ai même un doute. Chaque jour, il y a des papiers en ce moment qui sortent sur la fusion a fait un grand progrès, a fait un pas de géant, etc. Mais en fait, quand on suit un peu ces affaires-là, on voit qu'on a des papiers de ce type-là depuis au moins 20 ans. C'est-à-dire dans quelle mesure le discours sur la fusion ne fait pas partie d'une forme de déni du changement climatique, quoi. Avec cette idée qu'il y a une solution technologique, cette énergie illimitée, propre et éternelle qui nous attend au détour d'un chemin, qui est demain. Est-ce que ça ne fait pas partie d'une stratégie de démobilisation face à ce qu'il faut faire pour affronter le défi climatique ? Bah, du coup, pour rebondir un peu là-dessus, comment vous liez ce grand récit sur la transition énergétique à celui qui peut avoir lieu, en tout cas le débat plus sur l'accumulation des connaissances scientifiques, techniques, ou au contraire, une rupture, un changement de paradigme, je pense un peu à Kuhn, les révolutions scientifiques, etc. Je ne sais pas comment c'est lié justement. Je dirais que Kuhn a eu une influence problématique sur l'histoire des sciences et encore plus sur l'histoire des techniques. C'est-à-dire on a eu des historiens, des sociologues qui essayaient d'appliquer le schéma de la révolution scientifique au système technique, en disant il y a des révolutions technologiques, etc. C'est doublement faux, en fait. C'est-à-dire que déjà, les technologies évoluent en fait très lentement, en vérité. La plupart des technologies importantes évoluent très lentement. Ce qui est frappant, c'est, si vous prenez les techniques de base de production d'engrais, de ciment, d'acier, ça a très peu évolué depuis qu'on les a inventés. On les invente souvent à la fin du 19e, début 20e siècle. Au fond, c'est toujours les mêmes machines. L'inventeur Haber-Bosch ne serait pas extrêmement surpris s'il visitait une usine d'engrais azotés de nos jours. Il comprendrait ce qui se passe. Vous voyez ? Donc il y a des progrès, évidemment, c'est beaucoup plus gros, mais c'est le même principe.
la production de ciment, c'est pareil. C'est toujours des gros fourneaux qui tournent pour... Et ça n'a pas changé. D'accord ? Donc, je dirais qu'il faut faire très attention face à cette idée qu'il peut y avoir des transformations technologiques rapides. On a été très mal influencé par ces petits gadgets-là qui ont effectivement évolué très vite, mais ces gadgets électroniques, c'est qu'une toute petite partie de l'économie. On se focalise là-dessus parce que c'est des situations de monopole, des grandes entreprises qui deviennent extraordinairement riches, mais au fond, c'est avant tout une technologie de l'information, de la communication et de la publicité, ce qui représente qu'une petite partie de ce qui nous fait vivre. Donc voilà, je pense qu'il y a cet aspect-là. Les technologies évoluent lentement, elles ne se remplacent pas. C'est un autre point important, c'est qu'on a un discours substitutionniste sur l'histoire des techniques. Or, si vous voulez, les nouvelles techniques cohabitent très bien avec les anciennes. Un exemple trivial, vous avez chez vous sans doute un aspirateur et un balai. Les deux sont utiles. Mais cette vision substitutionniste, elle fonctionne encore moins pour la matière et l'énergie. C'est ce que je vous ai expliqué dans la première partie de l'exposé. Là, ça ne fonctionne absolument pas. Et donc, c'est pour ça que cette idée de révolution technologique, oui, si vous voulez, mais ça n'aura pas grande influence, à mon avis, sur le destin du climat, quoi. Alors, je vais prendre des questions des internautes. Il y en a plusieurs qui arrivent. Une qui dit « Si vous continuez votre raisonnement, pensez-vous qu'il faille arrêter de parler de sortir des énergies fossiles ?» Non, il ne faut pas arrêter de parler de ça. Ça reste un objectif. Il faut voir que ça ne sera jamais total, évidemment. On aura toujours besoin, pour les raisons que je vous ai expliquées, d'une petite partie de fossiles, de gaz aussi. Je pense que le problème... Enfin, il faut se fixer des objectifs atteignables, parce que sinon, c'est complètement démobilisant, en fait. Et par exemple, un objectif atteignable, ce serait sortir le monde, l'électricité mondiale du charbon. Ça, ce serait déjà super, parce qu'on sait que c'est très polluant. Et là, il y a des moyens technologiques différents. On peut faire autrement. Mais ce que je veux dire, il y a des choses où c'est très compliqué de faire autrement. Mais l'électricité, on sait faire autrement. Donc, si on se fixe un objectif assez clair, atteignable, et surtout, les pays riches investissent pour que ce soit un objectif qui se fasse dans le monde entier le plus vite possible, là, on aurait un impact, on réduirait, si vous voulez, l'amplitude de la catastrophe, ce qui est déjà pas mal, en fait. Voilà, donc je pense que c'est plutôt peut-être comme ça que... Mais d'ailleurs, c'est que à la dernière conférence de Glasgow qu'on a commencé à dire qu'il faut arrêter le charbon. Dans toutes les conférences précédentes climatiques, on parlait d'objectifs absolument incroyables de réduction d'émissions de CO2 sans prononcer le mot charbon. Mais c'est intéressant parce que ça montre bien c'est un petit peu l'illusion que racontait Cesare Malchetti à propos du Yaza. C'est-à-dire que vous avez des scénarios absolument extraordinaires de décrue soudaine des émissions de CO2 sans qu'il y ait en arrière-plan des avancées concrètes, quoi. Donc voilà, ça, je pense que c'est peut-être une manière plus raisonnable d'envisager le problème. C'est de regarder ce qu'on peut déjà faire avec les techniques actuelles et mettre l'argent sur la table pour le faire, quoi. Alors, je vais poursuivre avec des questions qui arrivent en ligne. Que pensez-vous de l'électrique ? Est-ce donc encore une erreur ? Quoi privilégier comme énergie, voire comme approche de l'utilisation des ressources ou comme style de vie ? Bon, faudrait que vous invitiez un expert de RTE qui a fait un excellent rapport sur, ou de Negawatt d'ailleurs, sur l'évolution du mix électrique. La question, c'est un peu ce sur quoi j'ai déjà insisté. L'électricité, on en a besoin, il faut juste voir ce dont on a vraiment besoin. C'est-à-dire que si, une fois encore, vous voulez faire tourner des voitures de 2 tonnes sur des routes en ciment, tout ça alimenté à l'électricité, vous ne décarbonerez pas l'économie à l'échelle des temps impartis par les climatologues. Ce n'est pas possible. Voilà, donc je pense que c'est vraiment ça l'enjeu, quoi. C'est de réfléchir en termes de consommation plutôt qu'en termes que se focaliser sur le nucléaire ou bien les renouvelables, etc. Voilà, je pense que, à mon avis, ce serait ça le plus important pour faire avancer le débat public. Alors, je poursuis. On reste toujours sur un peu les mêmes approches. Avec votre expérience du sujet, quel est votre niveau de confiance de sortie des énergies fossiles ? Voyez-vous un chemin pour limiter la catastrophe climatique dont vous parliez ? Je vous avouerai que l'histoire rend pessimiste. Voilà. Je ne veux pas répondre... Enfin, j'ai pas beaucoup à ajouter, quoi. C'est-à-dire, quand on voit le temps que ça met pour un mix énergétique, pour évoluer, le fait qu'on n'a jamais sorti une énergie primaire du mix énergétique mondial,
que les symbioses entre énergie et matière, c'est quelque chose de structurel, c'est-à-dire que c'est pas un accident, c'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose de fondamental et structurel. C'est vrai que ça rend assez sceptique sur l'idée de sortir des énergies fossiles. Je vous disais, bah, les panneaux solaires, en fait, ça repose aussi sur une base carbonée pour l'instant et sans doute pour longtemps encore. Donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire sans carbone. Produire de l'acier en masse, produire du ciment en masse, produire des engrais en masse. Après, il y a toute la question de l'agriculture dont je n'ai pas parlé parce que c'était centré sur l'énergie, mais... quand on met des engrais azotés, il y a du protoxyde d'azote qui sort du sol, qui a un très puissant effet de serre, et ça, on ne sait pas encore faire sans. Donc, il y a toute la question de la consommation de la viande aussi. Donc, c'est vrai que ça rend assez pessimiste. Enfin, je ne vois pas vraiment de raison d'être optimiste. Alors, souvent, on dit, ah, vous voyez, le solaire et les renouvelables, ça croît vite. Alors, c'est vrai que ça a cru assez vite dans les dernières décennies, mais alors, j'ai pas eu le temps de revenir là-dessus, mais l'une des méthodes de Cesare Marchetti, c'était d'utiliser ces courbes de diffusion logistique pour voir le temps que ça va prendre. Et là, il était beaucoup trop optimiste. En gros, les techniques, certaines techniques se remplacent. Prenez par exemple les productions d'acier, le fourneau Bessemer, l'acier Martin, Bessemer, ça va remplacer les pratiques plus classiques de production d'acier au 19e et au début du 20e siècle. Ça suit des courbes logistiques. Les téléphones portables aussi, ça se diffuse suivant des courbes en S. Et je sais plus. Je suis désolé, je me suis perdu dans mon explication. Le problème, évidemment, c'est que ça marche bien pour les techniques, ça marche pas du tout pour les matières, ce dont je vous ai déjà parlé. Et j'ai oublié la question que vous m'avez posée. Je suis désolé. Je suis fatigué. La question, vous pouvez me la rappeler en deux mots ? Oui. Alors que pensez-vous de l'électrique ? Attendez, non, c'était pas celle-là. C'était sur... Oui, avec votre expérience, c'est ça. Excusez-moi, parce qu'en fait, je l'ai... Avec votre expérience du sujet, quel est votre niveau de confiance de sortie des énergies fossiles ? Voyez-vous un chemin pour limiter la catastrophe climatique ? Donc, mais c'est pas celle-là non plus. C'est pas celle-là. Hein ? Donc la catastrophe climatique, le problème, c'est que c'est pas la catastrophe. Il y a différents degrés de catastrophe. C'est pas la même chose d'être à plus 3 ou plus 2 ou plus 4. Donc ça, c'était bien montré par les climatologues. C'est-à-dire chaque demi-degré compte. Donc c'est là-dessus qu'il faut se battre, évidemment. Par contre, les plus 2 degrés, oui, c'est assez... C'est clairement irréaliste. Et pire encore, les plus 1,5 degré, il y a eu un rapport qui a été publié il y a 3 ans du GIEC sur 1,5 degré. Vous aviez des trajectoires d'émissions de CO2 qui avaient... Enfin, aucun caractère réaliste. C'est-à-dire, vous avez donc les émissions de CO2, ça fait que croître au cours du 19e et 20e siècle. Et pour ne pas dépasser 1,5 degré, il faudrait descendre brutalement. Et même pire que ça, il faudrait mettre en place massivement ce qu'on appelle des BECCS. Donc, c'est Biomass Energy Capture, Carbon Capture and Storage. Donc, en gros, ça consiste à brûler de la biomasse, du bois, récupérer les molécules des CO2, les stocker et les remettre sous le sol. Technologie qui n'existe pas. Qui peut-être n'existera jamais, et je ne sais même pas si c'est une très bonne idée de faire ça, à vrai dire, parce qu'évidemment, produire toute cette biomasse à des fins énergétiques, ça, c'est en compétition avec la biomasse agricole pour alimenter les humains et les bêtes. Et donc, c'est-à-dire, au bout d'un moment, le discours de la transition devient un discours franchement utopique, c'est-à-dire qu'il n'a aucune possibilité de réalisation, et je ne sais pas si c'est une très bonne idée que des experts le présentent comme quelque chose pour lequel il faudrait se battre, pour lequel... Mais ce que je veux dire, il y a un moment où je pense que l'optimisme peut être vraiment trompeur. Voilà. Donc c'est pour ça que la catastrophe climatique, elle aura lieu. Après, sa gravité, son ampleur, on peut évidemment avoir un espoir de... Disons qu'elle n'aille pas jusqu'au bout de la catastrophe. Mais le problème aussi, c'est que ce n'est pas la catastrophe. C'est plein de petites catastrophes différentes en fonction de là où vous habitez, en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos revenus, etc. C'est aussi ça le problème. Alors, une question peut-être un petit peu plus technique, vous allez voir. Ça fait longtemps à présent qu'on parle de l'hydrogène et on ne voit pas beaucoup d'applications concrètes se développer. Quels sont les freins, les investissements ou des problèmes technologiques ? Alors, je ne suis pas du tout expert dans le domaine. Juste deux remarques. Premièrement,
Donc ça fait effectivement longtemps qu'on parle d'hydrogène. Je vous dis, depuis les années 60, en fait, on parle de l'économie hydrogène. Il y a une revue qui est créée début des années 70 qui s'appelle The Journal of Hydrogen Energy, que j'ai dépouillée, où il y a Cesare Malchetti qui intervient régulièrement. Et on trouve déjà toute l'utopie du système hydrogène actuel, c'est-à-dire des avions à hydrogène, des voitures à hydrogène, de l'électrolyse, etc. Donc l'idée est ancienne, elle n'a pas du tout commencé à s'appliquer. Alors après, l'hydrogène, déjà, c'est important d'en faire de manière plus propre qu'actuellement. Actuellement, on le produit à partir du méthane. Donc c'est très polluant. Et l'hydrogène, on a besoin, par exemple, de produire des engrais. Donc ça, c'est bien. Si vous voulez, il y a tout un plan de développement d'hydrogène. Si déjà on arrive à faire ça, ça sera bien. C'est-à-dire sortir l'hydrogène gris produit à partir du méthane et dans tous les procédés industriels et produire de l'hydrogène plus propre, ça sera positif. Après, imaginez qu'on va faire tourner des avions à hydrogène massivement qui traverseront l'Atlantique. Ça, c'est évidemment très trompeur, en tout cas à l'échelle des temps qui nous intéressent pour le climat, quoi. Est-ce qu'il y a une intervention dans la salle ? Oui. Oui, bonsoir. Je vois que vous êtes assez pessimiste sur le futur. Justement, je voulais demander quelles sont les solutions que vous pensez qu'il faudrait préconiser justement pour... Pour les énergies, qu'est-ce qu'il faut abandonner ou éventuellement reprendre, je ne sais pas, moi, par exemple, la force animale ou des choses comme ça. Est-ce qu'il faut abandonner tout un tas de choses ou... Bon, il y a évidemment l'idée quand même dans tout, c'est de faire des économies sur tout, mais enfin, on ne peut pas... Qu'est-ce que vous préconisez, quoi, en deux mots, quoi ? Parce que... Bon, c'est un peu en gros. Qu'est-ce que la solution, quoi, ou la moins mauvaise solution, quoi. Alors, sur l'idée d'un retour à, je dirais que c'est la version écolo du discours transitionniste. L'idée qu'on va retourner à une force ancienne, en fait, ça ne marche pas tout simplement parce que ces énergies anciennes, elles ont fait que croître. On les a jamais abandonnées en réalité. On voit aussi ça dans les matériaux de construction. Il y a tout plein d'architectes qui disent qu'il faut retourner à la maison en bois. En fait, la maison en bois, elle n'a jamais disparu. On produit toujours des maisons avec beaucoup de bois. Aux États-Unis, les maisons sont très majoritairement en bois. Dans les pays pauvres, en Asie, le bambou, ça loge près d'un milliard de personnes quand même. Donc on est sur des quantités massives. Ça, c'est un chiffre qui date des années 90. Et puis même dans les maisons individuelles européennes qui sont en parpaing de ciment, vous avez en fait plusieurs mètres cubes de bois, 6 à 7 mètres cubes pour la charpente. Donc l'idée qu'on va retourner à la construction en bois, si vous voulez, c'est problématique tout simplement parce que le bois n'a jamais été abandonné. Rien que les charpentes en bois en France actuellement, ça représente les deux tiers des résineux que les forêts françaises produisent. Donc, au bout d'un moment, il y aurait assez vite des limites, en fait. Imaginez qu'on va loger tout le monde dans des jolies maisons en bois. On se heurterait à des limites sur le bois. Voilà, donc je pense que c'était d'un retour à et aussi quelque chose qui est extrêmement problématique. Après, moi, ce que je préconise, je crois que j'avais un peu donné des réponses, alors qui sont évidemment pas satisfaisantes, hein, j'en ai bien conscience, parce que je crois que personne n'en fait de réponse satisfaisante, en vérité. L'essentiel, c'est de réfléchir effectivement à la consommation, ce que vous dites. Il faut limiter la consommation de tout. Bah oui, en fait, oui, c'est ce qu'il faut faire, effectivement. Oui. C'est sans doute la chose la plus réaliste, au fond. C'est pas que ça me fasse plaisir de dire ça. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas une position idéologique, c'est simplement, ça paraît être la chose la plus réaliste, tout en faisant croître les énergies les moins sales possibles, en fait. C'est un peu les énergies moins sales possibles, on sait bien ce que c'est, hein. C'est l'éolien offshore, c'est ce genre de choses, quoi. Mais je crois que imaginez qu'il y a une solution ou même des solutions qui nous permettraient de résoudre le problème, c'est en soi problématique, en fait. Et la décroissance économique fait évidemment partie de ça. Enfin, la question de la décroissance est évidemment la question centrale face à la question du changement climatique. Oui, alors d'abord, merci beaucoup pour votre éclairage sur ce récit qui fait du bien à l'heure où on prône le tout électrique et le nucléaire et d'amener des éléments rationnels.
Et j'avais une question sur un terme que je ne connais pas, la littérature grise. La littérature grise, c'est en fait des rapports internes ou alors à faible diffusion qui circulaient. Donc c'est quand je parlais de l'AEC, je pense. Oui. On voit ça dans les archives en fait, de la Commission de l'énergie atomique américaine, où on voit cette idée, cette expression même hein, de crise énergétique se diffuser dans des mémos en disant voilà, il faut parler de la crise énergétique. Parce qu'en fait, c'est une manière de contrer les environnementalistes qui enquiquinent en fait les promoteurs du nucléaire, les General Electric, etc., qui, Westinghouse, qui veulent et l'Atomic Energy Commission qui veulent développer le nucléaire aux États-Unis, et on leur met des bâtons dans les roues en fait, en disant il y a des problèmes, évidemment de radiation, et puis aussi un autre problème qui est la pollution thermique, qui est un grand problème dans le débat public sur le nucléaire milieu des années 60. En gros, faire chauffer les cours d'eau. Ça reste un problème d'ailleurs, hein. C'est pas pour dire que c'est pas un problème, mais en tout cas c'était ce genre d'argument que les environnementalistes mobilisaient en disant il faut pas autoriser ces centrales nucléaires. Et donc c'est dans cette littérature grise que la notion de crise énergétique émerge. C'est ça que je voulais souligner. Des questions en ligne. En quoi le rapport Meadows a participé du récit sur la transition énergétique? Ça, c'est une question intéressante. Je n'ai pas forcément une bonne réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très influent, donc 72, hein, il est très influent dans le premier moment, effectivement, de diffusion du thème de la transition énergétique. Je crois qu'il est influent non pas tant dans le pronostic d'un effondrement à venir de la civilisation industrielle, parce que c'est très vite critiqué, que dans la méthode. Cette idée de réfléchir en termes de scénario, par exemple, c'est exactement la méthode du YASA. Et le YASA peut être perçu comme une réponse au rapport Meadows. Ils vont reprendre exactement la même méthode, l'ordinateur, les scénarios sur les ressources, etc., la démographie, la croissance économique, pour montrer qu'il y a d'autres trajectoires qu'une trajectoire d'effondrement. Qu'une trajectoire de sortie des fossiles en 50 ans, c'est possible avec telle et telle condition, en misant. Alors eux, ils disent qu'il faut d'abord miser sur le charbon pour ensuite avoir la base économique et technologique qui nous permettra d'avoir ensuite du nucléaire et des renouvelables, par exemple. Donc on a une influence de ce point de vue-là. Donc, si vous voulez, dans ce milieu où on réfléchit à la transition, on a lu, évidemment, le rapport Meadows. Un autre exemple, c'est un rapport très, très intéressant de la fondation Ford à Mainz. Donc, Time to Choose, 1974, ce rapport de la Fondation Ford, il dit un peu ce que va dire Marchetti ensuite. La question de l'énergie, ce n'est pas tant la question du mix énergétique à court terme, parce que ce mix énergétique, il évolue très, très lentement. Ils disent, vous voyez, le nucléaire, on nous rebat les oreilles du nucléaire depuis les années 50. Le nucléaire aux États-Unis en 1974, c'est peanuts, en fait. C'est très, très peu d'énergie. Et donc, ils sont assez sceptiques sur l'idée d'une transition vers le nucléaire, par exemple. Ça prendrait trop de temps. Et donc, ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'il faut découpler la croissance économique de la croissance énergétique. Et il y a tout un tas de réflexions qui sont assez intéressantes, on va dire, sur comment réaliser ça. Et ils insistent beaucoup sur la fiscalité de l'énergie, en disant qu'il faut faire basculer la fiscalité du travail vers des fiscalités sur l'énergie. Et pour faire ça, il faut compenser, évidemment, pour les classes populaires qui ont des factures énergétiques importantes par rapport à leur budget. Et donc, c'est des réflexions sur aussi comment changer les buts sociaux et les valeurs sociales, sortir d'une société de la consommation et aller plutôt vers une société de la consommation culturelle, de la consommation de loisirs, de la consommation de santé. Donc, c'est, vous voyez, tout un rapport de 300 pages là-dessus, en fait, écrit en 1974, qui a l'intérêt de ne pas se focaliser justement sur la technologie, pour parler d'énergie. Et eux, ils ont aussi lu le rapport Meadows, clairement. Ils reprennent... En fait, le discours de la transition, si vous voulez, c'est pensé aussi comme des transitions entre différents scénarios, entre différentes trajectoires. C'est pas simplement une transition entre différents types d'énergie. Et donc, dans ce thème plus large, le rapport Meadows a un rôle aussi important. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Une, et puis on en prendra encore une en ligne et on arrêtera pour ce soir. Ma question, c'est pas vraiment sur la transition, mais l'année 2022 a été déclarée année de la recherche fondamentale
par l'ONU et c'est associé à, au développement durable. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je pense pas grand-chose parce que je suis pas du tout au courant. Je sais pas du tout ce que ça veut dire être année de la recherche fondamentale. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des... Bon, il y a eu des succès sur les vaccins ARN messagers, etc. Et des fois, on entend un peu un discours très scientiste revenir grâce à ce succès remarquable de la génétique, bon, qui d'ailleurs remonte à loin. Hein, c'est pas inventé dans les 6 derniers mois, hein, cette affaire. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut aussi se méfier parce que ce succès-là est très mal transposable à ce que c'est que faire une transition énergétique et faire face aux défis climatiques. En fait, ça a été lancé l'initiative par Michel Spirou. Je connais pas du tout, en fait. Donc. C'est un astrophysicien. Alors, on va prendre une dernière question en ligne. Alors, le récit de la transition énergétique relève du même procédé utilisé, par exemple, par les industries du tabac aux USA. On invente une crise pour détourner l'intérêt de la crise environnementale montante. Est-ce bien cela ? Quels intérêts aujourd'hui pour les politiques de poursuivre ce récit ? Alors ça, c'était la question de la crise énergétique. Il y avait un aspect effectivement de... Enfin, c'était un outil dans le discours de la propagande nucléaire. Effectivement, ça a existé. Est-ce que c'est la même chose que la production d'ignorance par l'industrie du tabac ? Je dirais que c'est un peu la même fonction, c'est pas la même chose, parce que c'est beaucoup plus astucieux. C'est-à-dire le climato-scepticisme bête et méchant, non, le changement climatique, ça n'existe pas, ou alors c'est pas causé par les fossiles, ça fonctionne, mais qu'un moment, quoi. C'est-à-dire, là, de nos jours, si vous voulez, le climato-scepticisme, en Europe, c'est tout à fait marginal. Même aux États-Unis, maintenant, c'est quand même beaucoup moins important qu'avant. On a eu tendance à se focaliser là-dessus parce qu'aux États-Unis, c'était devenu vraiment une question éminemment politique. C'est-à-dire, vous avez des républicains climato-sceptiques et démocrates qui ne l'étaient pas. Donc forcément, c'était devenu un enjeu politique clé. Maintenant, est-ce que ça a eu tant d'importance que ça dans notre inaction climatique ? J'en doute. Je ne pense pas que c'est parce qu'il y avait des climato-sceptiques qu'on n'a pas fait grand-chose sur le climat dans les pays européens, par exemple. Et donc la transition, pour moi, c'était une forme beaucoup plus subtile et astucieuse et donc généralisable. Et... Parce qu'en fait, la transition, ben, moi, je ne suis pas contre, évidemment, faire une transition énergétique. Hein, c'est sûr qu'il faut la faire. Le problème, c'est quand on se base sur une fausse histoire pour imaginer une transition rapide sans des efforts en fait, gigantesques du côté de la consommation. Quoi. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que la notion de transition énergétique, elle a tellement été effectivement utilisée de manière dilatoire, pour gagner du temps, pour justifier la procrastination face au problème, qu'à un moment, elle peut friser le climato-scepticisme, effectivement. Et la production d'ignorance, c'est ce que vous mentionnez sur le tabac, c'est un peu le même genre de problème. Très bien, je vous remercie. Ben, ça sera la conclusion pour ce soir. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Fressoz. Merci.